Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, ça va très bien. Si vous n'êtes pas là, si vous êtes déjà là, pardon, signalez déjà dans les commentaires. Et bienvenue à tous dans le live questions-réponses, où je vais essayer de répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas de me poser toutes les questions que vous voulez, et moi, je serai là pour répondre. Donc, voilà. Bienvenue à tous sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour vous la première fois sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche afin d'être sûr, d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Et à part la Chine, comme vous le savez, nous parlons aussi de différentes opportunités d'études en Chypre. Donc, parce que là aussi, il y a des bourses qui sont données aux étudiants qui veulent faire leurs études à l'étranger. Il y a des bourses qui sont offertes aussi aux étudiants. Et du coup, si ça vous intéresse aussi, il y a des avantages qui sont là. Il y a une certaine facilitation dans le processus visa. Donc, si vous êtes intéressé par les études aussi en Chypre, sur Experiences Abroad, on a des informations sur ce qui concerne la Chypre et vous pouvez tout de même nous contacter, me poser des questions sur ça et je vais vous répondre. Et dans ce live d'aujourd'hui, nous serons en train de répondre aux questions. Donc, je serai là en train de lire à vos questions en direct et puis je vais répondre. Donc, le thème général, c'est juste répondre à vos questions. Donc, si vous avez vos questions, s'il y a des questions que vous voulez poser en direct, n'hésitez pas à les mettre parce que c'est ça le but de ce live, répondre à vos questions directement. Et voilà, c'est un peu le thème. Et hier, on a fait le live sur les études en ligne. Et puis aujourd'hui, c'est le live questions-réponses. Et voilà, j'espère, je crois que c'est comme ça on va commencer à fonctionner. Faire des lives avec un thème et puis après faire un live questions-réponses. Donc, à tous ceux qui continuent d'arriver, bienvenue à tous sur Experiences Abroad. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je serai là en train de lire et répondre à vos questions. Voilà, bienvenue, bienvenue à tous. Et puis, si vous m'entendez, mettez dans les commentaires pour que je sois sûr que vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que vous m'écoutez quand même? Est-ce que vous m'écoutez? Donc, faites signe de présence, montrez que vous êtes là. Là, on est déjà 8. Mettez déjà le like, mettez les commentaires pour dire au moins que vous m'écoutez et j'attends vos questions. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Daniel Matendo. J'ai fait mes études en Chine actuellement à Beijing. Et je suis là, je poste des vidéos ici sur Experiences Abroad. On parle de beaucoup d'opportunités sur les études en Chine. On parle des expériences, pas seulement les études, on parle des expériences, on fait des vlogs, on fait tout en tout cas, juste pour essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe en Chine, pour essayer de vous montrer, de vous donner un peu une image sur la Chine qu'on verra pas hein, nécessairement sur CCTV. Voilà, donc. Abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois et partagez aussi le lien de ce live avec les amis, comme ça on va profiter du moment ensemble. Donc là, je suis là, j'attends vos questions. J'attends vos questions, j'attends vos questions. Thank you, my guy. Thank you, Marcel. Thank you. Voilà. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, donc on m'écoute. Bonsoir, quels sont les brefs, en bref, les retours? Quels sont les brefs de retour des étudiants étrangers en Chine? Dis-moi ce qui prouve. Ok. Pour les retours des étudiants en Chine, jusque-là, il y a rien, il n'y a pas de précision. Il n'y a rien qui précise quand est-ce que les étudiants vont rentrer. Mais comme j'avais fait le live encore dernièrement, on avait eu des informations qui nous donnent un peu d'espoir encore sur les retours en mars. On a parlé du message de Wang qui avait dit que quelque chose va se passer après les Jeux Olympiques. Et puis, il y avait aussi la lettre de l'université de DKU qui avait envoyé aux étudiants
genre une notice pour les demander de commencer à se préparer pour les retours. Donc commencer à être en contact avec le bureau des internationaux, et puis après on va les guider à avoir des documents qui peuvent leur permettre d'avoir le visa. Donc la date n'est pas encore donnée, mais il y a quand même ces espoirs pour le mois de mars à partir de ces deux trucs qu'on a évoqué la dernière fois. On a évoqué la lettre de Wang et la lettre de l'université de DQU. Voilà, donc la deuxième question, vous êtes combien dans les dortoirs? Voilà, dans les dortoirs, je crois il y a déjà beaucoup de demandes sur la vidéo, de faire une vidéo sur les dortoirs. Je vais faire ça quand on va commencer les vacances. Je vais faire la vidéo sur les dortoirs. Actuellement, les problèmes, c'est plus le temps. Mais les dortoirs en Chine, ça dépend des universités. Par exemple, si je dois parler pour mon cas, il y a des dortoirs à 4 personnes. Il y a des dortoirs aussi à 2 personnes. Donc, si tu es inscrit dans notre université, tu seras soit dans le dortoir à 4, soit dans le dortoir à 2 personnes. Et pour ceux qui font le bachelor, ils sont dans le dortoir à 4. Comme moi là, nous sommes à 4 dans notre dortoir. Et puis, ceux qui font le master, ils sont à 2. Et puis après, ceux qui vont faire le doctorat, ils seront une personne dans la chambre. Mais ça aussi, ça dépend de la bourse. Pour les autres universités, ça va dépendre de ta bourse. Si tu as une bourse totale, d'habitude, on propose aux étudiants de rester dans les chambres à 4 personnes. Parce que vous voyez, il y a déjà beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes à qui on a donné la bourse. Et puis, pour essayer de trouver de l'espace pour tout le monde, on met les boursiers, surtout pour les boursiers des bachelors, on les met dans les chambres à 4. Mais pour d'autres universités, même les boursiers sont dans les chambres à 2, sont dans les chambres à 3. Mais les boursiers avec une bourse totale ne seront jamais dans une chambre à une personne. Mais il y a l'option, si toi tu n'es pas confortable dans la chambre à 3 personnes, dans la chambre à 4, tu peux maintenant négocier avec le bureau pour que tu puisses payer de l'argent pour rentrer dans la chambre à une personne. Ou si ce n'est pas possible, tu vas quitter le campus pour aller prendre ton appartement dehors. Et je pense que ça va dépendre maintenant de ton choix, ça va dépendre maintenant de tes préférences. Mais en général, il y a des chambres à 4, il y a des chambres à 3, des chambres à 2. Et à une personne, c'est seulement pour le doctorat. Et si toi-même, tu choisis de vivre dans une chambre à une seule personne. Voilà. Voilà le Djibouti. Le Djibouti est représenté par Abdi Weiss. Merci à toi pour ta présence, Abdis. Donc, mettez aussi dans les commentaires d'où est-ce que vous suivez le live. Comme ça, on verra quel pays va dominer la place. Donc, voilà. On continue. Il y a déjà deux questions. S'il y a d'autres questions, je suis là. Je suis là, en tout cas, je suis libre. Poser les questions, répondre à toutes les questions. Sans rien cacher, on dit tout, rien que la vérité. Voilà. Et s'il y a aussi ceux qui sont en Chine qui suivent le live, n'hésitez pas de mettre les réponses aussi dans les commentaires. Ça peut nous aider à échanger parce que je ne suis pas peut-être le seul. Voilà, la Zambie est là. Voilà, la Zambie est représentée. Mettez les drapeaux dans les lives, on va voir. Moi-même, je représente le Congo. Moi-même, je représente le Congo, le Congo, le Congo. Est-ce qu'il y a des Congolais dans les lives? Est-ce qu'il y a le Congolais? La Guinée. Voilà, la Guinée est là. Est-ce qu'il y a les Congolais dans les lives? Est-ce qu'il y a les Congolais? Est-ce qu'il y a les Congolais dans les lives? Là, je vois, c'est Rugia. Rugia qui est de la Guinée. Il y a Diprouds qui est de la Zambie. Le Congolais, laissez-moi mettre aussi le chat de. Je peux pas écrire. Attends, moi aussi, je devais écrire le drapeau du Congo. Je peux pas écrire. Apparemment, je peux pas écrire. For the link, you need to wait for next week. Because this one is just you send your question in the live, and I'm going to ask to give the answer. For the link is about yesterday live, so if you want the link, maybe for next week I will share with you. And if you're not in the group, we have a WhatsApp group. You can check the link in community stage
community place, and we have the link there. You can join our group and you will get the link easily. Yeah, là je vois. Dis pro, toi tu présentes deux pays, comment? Faut choisir, faut choisir. Le Togo est là aussi, le Togo est là. Voilà, la deuxième question c'est vos vacances, c'est quand? Voilà, les vacances pour nous, on commence les vacances en janvier. Donc en janvier, on commence les vacances parce qu'en Chine, il y a deux vacances. Il y a les vacances, en tout cas pour des longues vacances, il y a les vacances en janvier, les vacances d'hiver. D'habitude, on commence les 12 janvier et puis on finit vers le 28, le 29 février parce que le second semestre commence le 1er mars. Donc il y a 2 mois de vacances d'hiver et puis après, il y a aussi les vacances en juin. En juin, on commence souvent vers le 25. Les 25 pour passer le mois de juillet, le mois d'août en congé, pardon. Donc ce sont les 2 moments qu'on fait des vacances. Mais en octobre aussi, il y a les vacances des 10 jours pour la journée de l'indépendance de la Chine. Donc les Guoqing jie. Voilà, donc là, on donne 10 jours de congés aux étudiants pour la fête de l'indépendance. Quelles sont les opportunités par rapport à la France qui existent en Chine étant étudiant, c'est-à-dire les jobs, le business? Voilà, déjà, bon, je suis pas encore parti en France pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, mais si on doit se fier à ce que on entend partout sur YouTube, sur des amis qui sont là-bas. Apparemment, eux, ils ont des travaux, ils peuvent travailler dans des restaurants, ils ont des jobs étudiants facilement, ils peuvent travailler dans des housekeepers, donc ils peuvent travailler dans des maisons pour garder les enfants, et puis on les paye un peu d'argent. Donc, pour eux, apparemment, c'est officiel, c'est légal, et ils peuvent les faire facilement, et ils font ça. Mais en Chine, le problème, c'est que déjà, le travail pendant que tu es étudiant, c'est interdit. Donc, il n'y a pas officiellement, il n'y a pas les jobs étudiants. Je crois, dernièrement, on avait fait les lives avec Pamela, on avait parlé de ça. On avait dit que il n'y a pas de travail, il n'y a pas de jobs étudiants en Chine. Mais quand même, il y a des trucs que les étudiants peuvent faire par-ci, par-là pour gagner un peu d'argent pendant que vous êtes étudiant, pendant que vous étudiez. Donc, par exemple, moi personnellement, il y a des opportunités de faire le shooting, des shootings des photos, des shootings des produits, des boutiques. On peut inviter les étrangers pour aller travailler par exemple pour 2 heures. Tu prends des photos, tu fais des shootings comme un model. Donc tu deviens un mannequin pour une boutique, mais pas mannequin en temps plein. Tu prends juste des photos pour une séance et puis on te paye de l'argent par heure. Et après, tu rentres chez toi. Et puis après, à part ça, il y a aussi les travails d'expérience pour aller expérimenter les produits toujours des entreprises. Moi, j'ai déjà fait le travail dans la maison Sony où on est parti tester les empreintes digitales des téléphones. Voilà, donc des trucs pareils, on fait ça. Il y a aussi, on peut aussi vous appeler pour faire le test des caméras, des night cameras. Pour voir si ça fonctionne pour toutes les nationalités, parce que ce sont des produits qui vont vendre mondialement, donc ils ont besoin des expériences sur des différentes races, des différentes nationalités. Et puis pour ça, on nous invite, on nous appelle, on fait ça, et du coup on rentre. Mais je crois que ça sera un peu compliqué quand on fera les cours physiquement, parce que d'habitude ça se passe pendant que nous faisons les cours. Voilà. Voilà. Donc en bref, en Chine, il n'y a pas vraiment les jobs étudiants. Mais il y a ces opportunités que vous pouvez trouver par-ci, par-là, qui peuvent vous aider à gagner de l'argent. Mais aussi, il y a aussi les business que vous pouvez faire en ligne. Je suis sûr qu'en France, c'est difficile de faire le business, prendre le produit en France et amener en Afrique. Mais en Chine, c'est plus facile de prendre le produit en Chine et amener en France. Je suis sûr que même ceux qui sont en France, qui font même le dropshipping, qui font tout ça, ils prennent leurs produits en Chine et puis amène ça en France. Mais toi, tu seras déjà en Chine, là où on produit. Donc, toi, tu achètes sur place et puis tu envoies en Afrique facilement. Voilà, donc c'est ça la différence, ou je peux dire l'avantage sur ce point-là. On oblige les vaccins en Chine. Non, on n'oblige pas, on n'oblige pas les vaccins en Chine. Bon, quand l'histoire des vaccins est arrivée, on pensait que ça sera obligatoire, mais on n'oblige pas.
On n'oblige pas. Parce que nous, on avait demandé à ceux qui veulent faire le vaccin, ceux qui veulent prendre le vaccin, ils peuvent aller à la place pour faire le vaccin. Et dans certaines villes, c'est gratuit. Dans d'autres villes, c'est payant. Par exemple, à Beijing, on a payé. Et puis, je m'étais informé à Yichang, c'est gratuit. Donc, des trucs comme ça, on n'oblige pas. C'est ta volonté à toi. Si toi, tu penses que tu veux prendre le vaccin, tu y vas seulement. C'est à tout moment, tu peux prendre le vaccin. Et du coup, personne ne va t'obliger. Mais pas parce que, plutôt que d'avoir le vaccin, il y a un système maintenant qui est obligé. Il y a un système qui est obligé. On a ce qu'on appelle les health kits. Le truc là, quand tu as ça, partout où tu iras, restaurant, banque, marché, supermarché, même le marché là, le marché, en tout cas le marché vulgaire, pour rentrer, il faut avoir les health kits en verre. Donc tu arrives là-bas, il y a le code QR, tu scannes, et puis quand tu scannes directement, on montre voilà, le pass. On montre, ça s'affiche en vert. Si ça s'affiche en vert, c'est que tu peux passer. Si ça ne s'affiche pas, si c'est rouge, si c'est jaune, voilà, là, on t'interdit, tu ne vas pas entrer. Mais on ne va jamais te demander le vaccin, si tu as déjà pris le vaccin. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire comme si ça l'est en France, en Europe. Voilà, ce n'est pas obligatoire. J'ai vu l'autre question ici. La bourse totale est payée combien par mois? Voilà. Là, il y a un problème. Il y a un problème de compréhension. Quand tu as une bourse totale, il y a plusieurs bourses totales. La bourse totale qui paye, c'est la bourse totale du gouvernement. Et il y a la bourse totale aussi with stipends. Si tu as une bourse avec salaire, une bourse totale avec salaire, ça va dépendre des universités. Il n'y a pas un montant fixe pour dire que si tu fais les bachelors, on va te payer par exemple 100 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA, c'est pas fixe. Mais au moins, je sais, ça va dépendre des universités. Mais pour ceux qui ont la bourse CSC Scholarship, le bachelor, je crois, c'est à 2500. 2500 renminbi, en dollars, ça peut être à peu près 400 dollars ou 300, 350, si je ne me trompe pas. 350, à peu près 180 000 francs CFA. Et puis, à part le bachelor, les masters, c'est 3000. 3 000 yens, donc c'est à peu près aussi 450, à peu près 450, 470 dollars. Et puis le doctorat, c'est 5 000. Donc quand tu as 5 000 yens pour le CSC Scholarship, 5 000, c'est à peu près 700, 750 dollars. Voilà. Donc, voire même 800, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Donc je peux me tromper sur la conversion, mais en monnaie chinoise, les bachelors, c'est 2 500, les PhD, c'est 3 000. Plutôt master, c'est 3 000 et le doctorat, c'est 5 000. Mais pour les autres universités, les bourses universitaires où on donne le salaire, ça peut aller même à 1 000 yuan, à 100 dollars, 80 dollars, 150, mais ça ne peut pas aller au-delà de 2 500. Voilà. Mais il y a aussi des bourses totales où il n'y a pas de salaire. Par exemple, la bourse que moi j'ai actuellement, je n'ai pas de salaire, mais quand même, on assure mes frais académiques et mon frais de logement dans le campus. Voilà. Donc c'est un peu ça la clarification, la différence sur la question de bourse totale. Voilà. Voilà. J'espère que je suis en train de répondre. Pour ceux qui posent des questions, si vous n'arrivez pas à comprendre, s'il y a toujours des incompréhensions dans ta question, n'hésitez pas à me les dire et puis je vais répondre. Voilà, je vous écoute. Mais la guerre des drapeaux, il ne faut pas arrêter. J'ai vu juste le Togo, la Zambie, le Congo une fois. Et puis la Guinée. Voilà, faut présenter vos pays, présenter vos pays. Présenter vos pays. Je suis dans la troisième année en Chine. C'est ma troisième année en Chine. Voilà, c'est combien d'années, je vais dire. Voilà, c'est ma troisième année en Chine. Parce que la première année, j'ai fait la langue, la deuxième année, j'ai déjà fini. Et puis là, je suis en train de faire la troisième maintenant. Voilà. Donc, amenez les questions, vos questions, vos questions.
Faut me bombarder des questions, faut bombarder des questions. Voilà, l'autre question est là. Combien de... Voilà, Daniel faut écrire avec un seul L, hein, pas deux L. Voilà. Combien de moyennes on peut avoir pour espérer avoir une bourse totale selon ton expérience? Voilà. Pour la question de moyenne, si tu postules pour une bourse CSI Scholarship, il faut vraiment voir 16 sur 20. Il faut 16 sur 20 pour quand tu postules pour la bourse CSI Scholarship. Mais quand tu postules pour les bourses universitaires, il faut juste postuler à temps. Il faut juste postuler à temps. Il faut juste suivre les consignes de ton agent qui est en train de poursuivre ton dossier. Et là, tu auras ta bourse. Parce que pour les bourses universitaires, la question de points, on n'existe pas un certain pourcentage dans les points. Donc, les points est juste exigé, la moyenne est exigée pour la bourse CSI Scholarship. Mais pour les bourses universitaires, les points ne sont pas vraiment un point ou sur lesquels on doit se focaliser. Mais c'est important quand même, ça peut aider, ça peut vous aider à faire monter vos chances. Mais même quand il n'y en a pas, c'est bon, la Chine offre des opportunités à tout le monde, à tout le monde. Donc, il donne à tout le monde la chance de repartir à zéro, même si à l'école secondaire, vous étiez un peu en l'air. Donc là, on vous donne l'opportunité de vous ressaisir, de refaire le maximum de vous-même. Et puis, bon, voilà. Non, c'est bon, ça va, c'était juste pour un petit rappel. Et puis, tu es dans quelle ville? Voilà, je suis à Beijing. Je vis actuellement dans la ville de Beijing. Je suis à Pékin. Je suis à Pékin actuellement. Donc, partagez les lives. Je connais, vous avez des amis. Vous avez des amis qui ont des questions sur la Chine. Il faut leur donner les liens. J'ai besoin des questions. Je me sens trop prêt pour répondre aux questions aujourd'hui. Donc, faut me poser. Faut me poser des questions. Faut poser des questions. Faut me poser des questions. Voilà. Faut me poser des questions, faut poser. Partagez aussi le lien. Je vois quatre personnes seulement ont liké la vidéo, ont liké le live. Donc, plus vous likez aussi le live, plus vous mettez des commentaires. YouTube, il se dit que on est en train de faire quelque chose de bien. Et lui aussi, il nous aide à partager le live. Ça me soutient, ça soutient Experience is Abroad. Voilà, c'est important aussi de les faire. Un petit geste seulement, cliquez sur le bouton like. Abonnez-vous. Donc, c'est trois petits gestes, mais qui a pour effet vraiment, hein, qui a un grand effet sur la chaîne, sur tout ce qu'on est en train de faire. Donc, faut les faire, faut les faire, faut les faire. J'ai fait mon parcours. J'ai fait d'abord un parcours en chinois. J'ai commencé avec le chinois. J'ai commencé mon parcours en chinois. Donc, première année en chinois, et puis quelques mois de mon programme en chinois. Et puis, j'ai switché, je suis passé en anglais. Pas parce que c'était difficile, mais c'était juste parce que je voulais changer. Je voulais changer, je voulais prendre mon programme en anglais. Donc actuellement, je fais le programme anglophone. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui font des cours en ligne? Donc, faut dire, faut le dire. Moi, j'aimerais aussi demander à ceux qui sont dans les lives, dites-nous au moins, ça fait combien de temps vous suivez Experience is Abroad? Qu'est-ce que vous avez déjà aimé sur Experience is Abroad? Qu'est-ce que vous aimez pas? Donc, tout ça, ce sont des critiques qui peuvent nous aider à produire quelque chose que tu sais que vous aimez. Et moi, je serais content aussi de voir vos retours parce que ça compte. C'est pour ça qu'on est là. Je vous donne, vous me faites des retours. Donc, quand il y a des retours, ça me plaît. Quand je vous donne quelque chose que vous aimez, c'est bon, vous êtes satisfait. Donc, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous aimez sur Experience is Abroad, ce que vous aimez pas, et ça fait combien de temps vous suivez la chaîne. Donc, dites ça aussi dans les commentaires. Donc, quand vous n'avez pas trop de questions, moi je commence aussi à vous poser. Mettez ça dans les commentaires. Donc, dites-moi, ça fait combien de temps vous suivez Experience is Abroad, ça fait combien de temps ça. Voilà. Dites-moi, dites-moi. Et partagez les lives, partagez, 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 partagez.
Abdis, j'ai fait actuellement la langue chinoise en ligne. Je compte étudier l'anglais après l'année de langue chinoise. Ce sera-t-il possible de changer à étudier quand je suis la langue? Ouais, ça sera possible, ça sera possible. Le fait, vu que tu fais la langue, déjà ça va t'aider, ça va te faciliter la vie en Chine. Et puis pour changer, vu que tu vas changer tu vas changer le cours, tu vas changer le programme. Tu fais la langue, mais tu vas changer le programme du programme chinois au programme anglais. Ça va pas te causer des problèmes. Il faudra juste bien parler avec ton université, ils vont le faire. Mais ça va pas te causer de problème. Ça sera pas compliqué. Ça sera pas du tout compliqué. Merci à toi, merci à toi. Je compte poster le nouveau vlog dans la semaine. Hein, j'ai déjà tout, j'ai tout filmé. Donc, dans la semaine. Je vais poster un vlog là. Ça sera magnifique. Ça sera magnifique. Et surtout, merci à toi. J'espère que tu es en train de profiter de nos vidéos. J'espère que tu es en train de profiter de la chaîne. Et ça fait beaucoup plaisir de t'avoir parmi nous, de t'avoir dans la grande famille Expérience Zébrod. Abdis, je crois, j'espère que tu as compris la réponse. Si ça a été clair, faut le dire aussi. S'il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment clair, ça aussi tu peux le dire et je vais essayer de clarifier. Ouais. Voilà, et tout ce qui continue d'arriver, nous sommes sur Expérience Zébro. D'ici, nous parlons sur la vie et les études à l'étranger en général. Parce que là, on inclut aussi la Chine, on inclut les études en Chypre, on inclut la vie en Chypre. Voilà, donc c'est tout ça. On essaie de partager tout ça. Même quand moi aussi, quand j'étais au pays, j'avais besoin de ces informations, j'avais besoin de ces genres de vidéos qui peuvent me montrer au moins. Qui peuvent me donner une vision sur là où je suis en train de partir, qui peuvent m'aider à m'orienter dans mes choix. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, on crée Expérience Zébrod et c'est pour ça on est là. Donc, si vous avez des questions qui vous passent dans la tête, si vous avez des questions sur la Chine, sur la vie à l'étranger, donc je peux partager quelque chose sur ma toute petite expérience en Chine. Voilà, parce qu'elle est encore petite, j'ai encore 10. Puis après, je vais faire le master, peut-être le doctorat, donc il y a encore beaucoup d'années. Au niveau des diplômes chinois, est-ce que le niveau des... Oui, évidemment, évidemment, c'est reconnu. Parce que déjà, si ce n'était pas reconnu, tous les étudiants qui viennent ici ne pouvaient plus venir. Parce que avant nous, il y a des gens qui étaient là. Et ces gens ont déjà eu leur diplôme. Si partout ils sont passés, on leur avait interdit de travailler, on leur avait dit que le diplôme n'était pas reconnu. Ils devaient nous dire, on devait avoir des commentaires négatifs sur les études en Chine. Et bizarrement, moi personnellement, j'en ai jamais trouvé quelque part. Donc c'est reconnu sur le point de vue international. Donc les diplômes en Chine, c'est reconnu. Les cours d'anglais sont clairs là-bas. Je ne veux pas faire une année pour la langue, soit un frein. Bon, le cours d'anglais, ce qui est sûr, hein, ce qui est sûr, les Chinois, l'anglais, ce n'est pas leur langue. Donc, tu trouveras peut-être que certains professeurs auront du mal à vraiment vous donner tout ce qu'il faut sur la matière parce que faute à la langue, parce qu'il y a de mots qui n'arrivent pas à sortir, parce que le professeur lui-même, il a le mot en chinois, il n'a pas ça en anglais. Donc, parfois, il y aura des retenues, il y aura des choses qu'on ne va pas nous donner parce que c'est en anglais. Mais par contre, quand on fait les cours en chinois, tout est donné parce que ça coûte pour lui. Et en anglais, c'est un peu compliqué. C'est pour ça même, c'est important d'apprendre les chinois aussi. Parce qu'il y a des fois, il sera là, il va balancer les trucs en chinois. Si tu as quelques notions en chinois, ça va vous aider. Mais quand même, le chinois que les Anglais utilisent, que les Chinois utilisent, l'anglais, pardon, l'anglais que les Chinois utilisent ici pendant les études, c'est pas vraiment un anglais compliqué. Il va t'exiger à faire d'abord 2, 3 ans de formation de langue, puis après commencer. Non, ça se fait pas. Je connais même des gens ici qui font le cours et qui n'avaient jamais appris l'anglais.
hein, qui n'avaient jamais appris l'anglais avant de commencer, mais avec le temps, ils arrivaient à s'en sortir. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Bon, des amis en informatique, oui, j'en ai. J'ai quelques amis. Le problème, c'est que dans mon université, nous n'avons pas des. Nous sommes plus dans les domaines electrical, mechanical, donc des trucs d'électricité, des trucs de l'énergie. Voilà, c'est ça la spécialité de mon université. Mais quand même, des amis qui font l'informatique ici, j'en ai. Et apparemment, ils font beaucoup des expériences. Hein. Ils font beaucoup des expériences. Plus souvent, leurs études, c'est. Leur classe, c'est dans les laboratoires, dans les salles d'informatique de l'école. Donc, c'est pas plus dans les classes, c'est pas plus les théories, c'est plus des pratiques qu'ils font. Bien sûr, mais bien sûr, ils apprennent beaucoup, beaucoup par rapport au pays. Ils apprennent beaucoup, surtout qu'au pays, il y a moins de temps d'expérience. Parce qu'en Chine, j'ai aussi trouvé que. Ils insistent trop sur l'expérience, ils insistent trop sur la pratique, plutôt que sur les théories. Vous passez moins de temps dans les classes pour les théories et plus de temps dans les laboratoires, dans les salles pour travailler la matière que vous avez apprise en classe. Voilà, dans le domaine informatique. Je fais personnellement mon major, c'est Electrical Engineering and ITS Automation. Donc le génie électrique et l'automation de son. C'est ça ce que moi je fais. Le certificat d'anglais est obligatoire. C'est une obligation, mais il faudra pas s'abstenir parce que tu n'as pas de TOEFL. Tu peux présenter n'importe quel certificat d'une. Institution reconnue d'une institution officielle qui a cette capacité, qui peut donner le diplôme de langue aux étudiants, aux apprenants. Donc, si tu en as, ça passe, mais c'est pas nécessairement le TOEFL qu'il faut présenter. Il y a une autre question là, je viens de voir. J'aimerais savoir si les cours pratiques et théoriques sont alternés. Oui, alternés, oui, ils sont alternés parce que il y a dans la semaine, je me rappelle, à un moment, on faisait pour un cours, on avait un cours de programming, par exemple. Je vais prendre l'exemple, on avait un cours de programming et pour ce cours, on avait 4 heures. On avait 4 heures chaque lundi. Et puis, les 2 premières heures, on faisait la théorie. Et puis, les 2 heures qui suivent, on faisait des pratiques. Voilà, donc c'est vraiment alterné. Et puis après, à part ça, on avait aussi un autre cours sur quoi d'autre? Il y avait un autre cours qu'on avait sur même le physique, hein, même le physique aussi. C'était presque la même chose. À chaque fois, on commençait d'abord par 1 heure ou 1 heure 30 minutes de cours, des théories, et puis après, de théorie, et puis après, il nous demande de passer sur des pratiques. Voilà, je vois l'autre question ici. Les intonations de ton pays sont-ils différentes de là-bas? Je ne comprends pas. Tu parles de quelle installation, de quel type d'installation tu parles? Est-ce que tu peux me dire comme ça, je saurais. Y a-t-il des écoles d'aviation pilote privées et publiques? Et comment les candidats ils sont inscrits? Bon, voilà. Bon, comme les étudiants, il y a des écoles de formation, il y a des écoles d'aviation ici, mais je pense pas que les étrangers sont admis facilement dans ces genres des institutions, parce que c'est plus les Chinois qui sont là, parce qu'après ils sont directement affectés dans des compagnies d'aviation chinoises. Et je pense pas que c'est facile ou c'est déjà arrivé qu'on puisse accepter les étrangers, surtout les Africains, à intégrer ces écoles là-bas. Parce que même je connais, je me rappelle, même en Afrique du Sud, il y a une école d'aviation où on interdit les Africains de couleur noire, je parle. Donc, c'est un peu compliqué, mais il y en a. Et puis pour ça, il n'y a pas de bourse. Hein. Pour ça, il faut payer tes frais. C'est à tes frais comme la médecine. La médecine aussi, pour la plupart des fois, il n'y a pas de bourse. Donc, si tu veux faire la médecine en Chine,
Non, ce sont à tes frais. Bonsoir, y a-t-il des bonnes nouvelles officielles pour la rentrée des étudiants étrangers en Chine? Bon, on va pas dire vraiment ces bonnes nouvelles officielles. Hein. On est en train de parler sur l'espoir, on est en train d'espérer que tout se passe bien selon les informations qui sont en train de sortir. Comme je l'ai déjà dit au début, on avait parlé de la lettre de Wang et aussi de l'université de DKU qui avait donné des informations sur ça. Et puis donc on attend juste la suite, on attend des prochaines informations qui peuvent nous donner une clarté sur quand les étudiants peuvent revenir en Chine. Voilà. Continuez de liker la vidéo, faut like, continuez de liker la vidéo, continuez de liker, de partager la vidéo. Nous sommes sur Expérience Abroad, faites un like, faites des likes, des commentaires, partagez partout la vidéo, comme ça on va grandir. Faut qu'on grandisse, non? Faut qu'on grandisse, faut qu'après, qu'on se connecte, là, on soit là à 100 personnes en train de suivre des lives, des questions comme ça, parce que juste comprendre que moi-même, je ne saurais pas choisir quelles questions. Donc, partagez les lives, partagez les lives, partagez les lives, et puis likez, voilà, là, on est à 6 likes, mais 9 personnes. Les 3 autres, faut liker, c'est simple, faut liker les lives. Mettez un like, mettez les likes, mettez les likes, mettez les likes. Mettez le like sur les lives, mettez les likes. Les partages aussi, c'est important. Les partages aussi, c'est important. Est-ce que je peux aussi partager? Je peux aussi partager. Voilà, là je viens de partager aussi, donc faites la même chose. Tu ne vois pas la flèche du like, tu ne vois pas ça, comment ça? Comment ça tu ne vois pas? C'est juste, attends, on voit ça se trouve où? Regarde, c'est pas une flèche, c'est une main qui est comme ça, c'est une main qui est comme ça. Donc okay, regarde juste là en bas, il y a un truc là qui est comme ça. Juste comme ça, et puis ça va te montrer. Tu vas juste cliquer là-bas, tac, like. La flèche, c'est pour partager. Quand tu cliques sur la flèche, tu vois pas? Comment ça, tu vois pas? Ah, là maintenant, c'est compliqué. Donc, je sais pas, est-ce que tu suis à partir à partir du lien que tu as cliqué sur Instagram ou tu suis directement avec YouTube? Si tu vois pas, tu peux fermer, tu ouvres YouTube, puis tu pars d'abord sur la chaîne, puis tu ouvres la vidéo. Maintenant, là peut-être ça va apparaître. Je vois une question là. Attends, je vais voir. Il y a une question ici. Il y a une question. La situation de la pandémie en Chine. En tout cas, en Chine, il n'y a plus. Il n'y a plus vraiment. Il n'y a plus rien de grave. On est juste là. On est juste là. On nous demande juste de se protéger. En tout cas, il n'y a pas, y a plus rien de grave ici. Il n'y a plus rien, sans mentir. Il n'y a plus rien de grave. C'est juste là, on est là. Ils sont en train de vacciner les Chinois. Comme on avait dit dernièrement, ils cherchent à atteindre 85% des Chinois vaccinés. Maintenant, ils pourront voir après s'ils pour, ils peuvent aussi ouvrir. C'est aussi des estimations. Et quand j'avais vu l'information, c'était fin octobre. Ils étaient à 75%. Donc, pendant ces temps, peut-être que c'est proche. Ils vont bientôt atteindre le quota. Et puis, on aura une suite. Voilà. Donc, c'est un peu ça la situation. Mais quand même, il y a parfois, il y a ces informations qui arrivent toujours. On te dit, vous êtes juste là, vous dormez. On vous dit, non, on a retrouvé deux cas dans telle ville. Et puis, après 2 jours, c'est fini. Donc, je pense aussi que cette pandémie, ça va pas se terminer d'un coup. Ça va pas se terminer d'un coup, on dit paf, partout dans le monde, il y a zéro, rien. Non, on sera obligé de vivre avec. On sera obligé de vivre avec cette pandémie. Ça va pas se stopper directement d'un coup. Ça va pas. En tout cas, je pense pas. Je ne souhaite pas que ça puisse rester, mais je pense que ça va pas disparaître d'un coup. On sera obligé de vivre avec et après 2-3 ans, maintenant, là, on pourra se dire c'est fini.
Il y a une autre question ici. Pour la traduction de mes documents, si tu as des documents à traduire, tu peux juste m'écrire en privé et puis je pourrais t'indiquer quelqu'un qui va faire la traduction des documents facilement et ça sera valide pour tes inscriptions. Donc, pour la traduction, tu peux juste m'écrire en privé et du coup, je vais t'aider. Voilà. Siffleur, j'espère que tu as compris la situation qui est en Chine actuellement en rapport avec avec la pandémie. Donc, c'est pas fini, mais on essaie de vivre avec, on essaie d'être là juste. Voilà. Parce que même les Chinois, ils disent qu'ils pensent actuellement que la Chine is the safest place. Donc, c'est la place la plus safe actuellement dans le monde. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien de grave en Chine. Voilà, les questions, on attend toujours, on attend toujours. On attend toujours les questions, les questions, les questions, j'attends toujours les questions. Il est quelle heure d'abord chez vous? Il est quelle heure? Chez nous ici, il est 2h45, 42 minutes. Chez vous, il est quelle heure d'abord? Faut dire. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Là où vous êtes là actuellement, il fait quelle heure? Là, il est 2h42 minutes. Dix-huit heures quarante-deux à Abidjan. C'est dur ça, c'est dur cette histoire des décalages. Oh. Les autres sont à 18h42, des autres sont à 2h, des autres vont te dire ils sont à 10h, des autres à 20h. Donc, on est où? 18h42, attends. Ah oui, donc vous êtes presque aussi Rougui, tu es aussi à Abidjan. Mais j'ai vu, tu as écrit, tu étais en Guinée, non? Je crois. La Guinée, oui, Rougui est en Guinée. Donc, Guinée, Abidjan, c'est la même heure. Oh. Voilà, là aussi, moi aussi, je suis en train d'apprendre facilement. Plutôt que d'aller demander au prof. Voilà, on a le même fuseau. Oui, je trouve. 18h42. Là, il est 2h42. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Moi, en Chine, je dors souvent à 3 heures. Je dors souvent tard. Très tard. 3 heures, 4 heures. C'est aussi quelque chose de dur, hein. Tu n'arrives pas à t'adapter sur le fait que quand toi, tu dors, les gens de la famille, les gens de ton pays, eux, maintenant, ils sont debout. Et pourtant, vous devez discuter de temps en temps. Et puis, donc, il faudra que toi, maintenant, tu puisses rester pour parler avec eux. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va peut-être couper le live. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions, j'y réponds. S'il n'y a pas, donc. L'estimation de l'attente du taux de vaccination en 85% a été prévue pour décembre. Si cette info est vraie, alors vous connaissez le pourcentage exact. Exactement. L'estimation était prévue d'être atteinte pour décembre, d'ici fin décembre. Donc, jusque-là, je n'ai pas encore vu où est-ce que se situe actuellement le pourcentage en question. Mais ils ont dit en septembre, ils pensent que ça sera déjà 85% et c'est ça le chiffre qu'ils voulaient atteindre. Donc, attendons. Peut-être vers les 15, vers le 25, vers la fin du mois, on saura parce qu'ils pourront donner la révision annuelle sur la situation de la pandémie. Et bien sûr, ils vont donner des infos sur la vaccination. La présence en cours, fera-t-il compte si l'étudiant échoue l'examen, c'est-à-dire avoir une mauvaise note? Voilà,
La moyenne de ton cours compte 100%, c'est pour 100%, mais maintenant ça sera divisé. Il y aura des professeurs qui vont dire que la présence en elle-même, ça va compter 15%. Il y aura la présence compte 15%, les devoirs comptent 15%, les midterm exams, ça va compter 20%, le tout ça fait déjà 50%, et puis après les final exams, ça va coûter maintenant les 50%. Donc, pour tout, il y aura des pourcentages. Donc, si tu es présent et tu fais tous les devoirs, tu as déjà 30%. Si tu fais bien ton examen de midterm, tu auras 20% de plus. Et puis, le final examination, tu as 50%. Voilà. Donc, il faudra équilibrer le tout pour pas dire que quand tu es présent au cours et tu échoues pendant les examens, ça te garantit pas que tu vas réussir. Donc, il faut équilibrer partout. Voilà. Il y a combien d'étrangers dans ta classe ou juste les Chinois? Les Chinois, ils étudient qu'avec les gens qui font des cours en chinois. Personnellement, dans notre classe, on est un peu beaucoup, on est un peu nombreux. On est, je crois, 42. 42 dans notre classe. Mais pour d'autres universités, hier même, on était avec Cédric dans les lives. Il nous a dit que dans leur classe, ils sont à 5. Moi-même, personnellement, j'ai déjà fait cours dans une classe où on était à 11. On était à 7. Donc, ça va dépendre. Puis c'est juste parce que notre université est un peu trop populaire. Il y a beaucoup d'étudiants dedans. Et on a plus des étrangers dans la classe. Mais en général, c'est entre 11 à 20, 30 étudiants dans la salle. Qu'en est-il de la Chypre? Est-ce que c'est une destination idéale pour les étudiants internationaux? Oui, exactement. C'est aussi une bonne destination, mais il faudrait que toi-même d'abord, tu puisses faire des recherches, tu puisses te sentir attiré par le pays en question. Puis maintenant, tu verras si c'est agréable. Mais déjà pour ça, pour la Chypre, il n'y a pas des bourses totales où on va prendre en charge les frais académiques, les frais de logement pour ta première année. Donc pour la première année, tu as des frais à payer toi-même à l'université. Ça, c'est obligatoire. Mais maintenant, après, avec tes résultats, tout ça, tu vas faire monter ta bourse. Et puis, voilà, bienvenue, Abby Boy Davis. Yes, my guy, I can see you. Bonjour, je suis libérien, je regarde depuis la Chine. Lui, c'est mon gars sûr. Il parle anglais, mais pour Experience is Abroad, il apprend déjà le français. Vous voyez déjà, donc on fournit des efforts. On transforme nos frères libériens en francophones. Voilà. Donc, c'est ça en fait l'Experience is Abroad. C'est ça en fait le but de Experience is Abroad. Bienvenue à toi, Abby Boy. La langue. Et puis aussi, je parlais pour la Chypre. Il y a aussi la sécurité qui est aussi assurée comme en Chine. Il y a la sécurité. Il y a aussi les travails, les jobs étudiants en Chypre. On peut le faire. Il y en a. J'ai parlé avec mon ami dernièrement. Il m'a dit que quand tu es vraiment courageux, tu veux vraiment t'impliquer dans les jobs étudiants, tu peux gagner 200, 300 $ la fin du mois et ça peut t'aider à survivre là-bas. Donc, je pense que c'est aussi une bonne destination, mais pour ça, il faudra déjà être prêt à payer ses frais de la première année et puis après, avec ton courage, tu vas obtenir une bourse totale. Abby, what's up? How is it? Just share your experience about China in our lives so that some people can read you, can learn something from you. You can just write, type in, and we will read you, bro. Yep. Quand tu as commencé les cours, tu t'es pas dit qu'il y avait des choses que tu n'avais pas appris au pays. Ça ne t'a pas pénalisé. Non, 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 non. Ça m'est pas encore arrivé. C'est presque la même chose. Parce que la première année, on commence avec les cours des bases. Je pense que même ceux qui font, toutes les personnes qui font l'ingénierie ici, il y a des cours. On a presque les mêmes cours dans la première année. C'est juste pour nous remettre sur le niveau. Et je pense que quand on commence avec ça, ce sont les mêmes choses qu'on était en train de voir dans la dernière année au pays. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est l'éducation, c'est un système international. Donc, ça change pas. Il y a juste la langue et la personne qui t'enseigne qui change. Seulement ça. Mais en tout cas, ce sont les mêmes choses.
Oui, donc j'ai pas encore choisi, j'ai pas encore pris la spécialité, mais d'abord je suis dans le général, je suis encore dans le général dans le sens où j'ai fait juste génie électrique et automation. Donc dans le général, dans la dernière année, c'est là que je vais pardon, dans la dernière année, c'est là que je vais prendre un sujet. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Allô, 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 est-ce que vous m'écoutez? Allô? Allô, allô? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? J'ai eu un problème de connexion. J'ai eu un problème de connexion. Le VPN, il a coupé. Donc là, ça vient de connecter. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Faites signe si vous m'écoutez. D'accord. Donc, j'ai eu un problème de connexion. Le VPN a coupé. Parce que vous savez qu'en Chine, avec YouTube, on n'utilise pas ça. On n'utilise pas YouTube sans le VPN. Et puis, le mien, il a coupé. Et puis, c'est pour ça, le live a stoppé. Donc, on continue. Je crois qu'il y a des questions que j'ai peut-être ratées. Y a-t-il des Américains, États-Unis qui viennent étudier en Chine? Bien sûr, il y en a. Il y en a, ils sont là, full même. Ils sont là. Il y en a des Américains. Voilà, Djibouti, il fait 21h50. Voilà, les Djibouti, toujours 21h50. Parlez-moi différents loisirs qui existent au sein de l'université chinoise. Y a-t-il des concours sportifs? Voilà. Les Chinois, ce sont les amoureux des concours. Ce sont des amoureux des activités. Ils font tout. Ils font tout ce qu'il y a comme activité. D'ailleurs, ici chez nous, nous avons, au mois de mai, nous avons une sorte de Jeux olympiques qu'on organise. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire des sauts, tu peux faire des marathons, des courses à 100 mètres, à 800 mètres. Tu peux faire de lance, comment on appelle ça? De lance quoi? Je connais pas de long de nom. On te donne de grosses boules là. Et puis, vous venez vous lancer. Vous faites des tirs à l'arc, vous faites des sauts. En tout cas, il y a tout. Ils font tout. Ils font beaucoup de choses. Même à l'université, il y a toutes ces matos pour s'entraîner. Il y a des histoires dehors, juste sont là, gratuits, pour utiliser, pour le sport, pour le fitness. Vous pouvez faire le fitness, bon, pas très équipé, mais il y a un peu de matériel pour le fitness qui sont installés dehors. Vous pouvez travailler. Il y a des trucs pour les exercices. Donc, il y a tout. As you can read, China is one of the countries that makes you know all your abilities, especially when it comes to the way of living, culture and the people. Vous voyez, est-ce que vous pouvez essayer un peu de lire le commentaire de Abby Boy? Donc, la Chine, when you come in China, it's like it give you, it's an opportunity for you to know all your abilities, to know everything that you can do. So, c'est ça aussi un peu l'avantage. Donc, si tu sais danser, si tu pensais que tu pouvais pas danser, when you come in China, they will ask you to dance and you will dance. They will ask you to sing and you will sing. So, it's just an opportunity to discover what are you able to do. C'est ça un peu. Donc, et en plus, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent fuir pour dire qu'ils ne vont pas participer, ça compte pour vos points, pour l'évaluation de votre bourse. Donc, ça compte tout ça. On va tout regarder. On va voir par où est-ce que vous avez participé, dans quelle activité vous avez participé, quel était votre apport, quel était votre voilà, implication dans des activités parascolaires, para-académiques qui sont organisées par l'université. Donc, c'est important de participer. Ils organisent en tout cas tout. Si tu ne sais pas jouer au foot, tu peux courir, tu peux faire ça. Si tu penses que tu ne peux pas courir, les filles, il y a de sauts des cordes. Vous pouvez faire ça. Si tu ne peux pas jouer au foot, tout ça, il y a le basket. There is everything. So, it's up to you. You need to partake in at least one activity. So, c'est un peu ça. Il y a une question que j'ai ratée ici. Les mêmes systèmes éducatifs qu'avec les autres étudiants dans mon pays, par exemple, c'est le système LMD. Non, en Chine, je pense pas, c'est pas le système LMD, parce que le système LMD, c'est le système où tu fais 3 ans, 3 ans de cours, tu as le bachelor, 3 ans tu as le master et 3 ans tu as le doctorat. Donc, dans 9 ans, tu as fini.
Donc, en Chine, c'est pas ça. En Chine, c'est 4 ans pour les bachelors, 3 ans pour les masters et 3 ans pour le doctorat. Donc, en Chine, minimum 10 ans, tu finis. Et pour certains, ils vont même à 12 ans, en rapport avec la langue de formation et le sujet qu'ils ont choisi pour leur spécialisation. Donc, en Chine, c'est pas le système LMD. Évidemment, les études, partout les études, c'est difficile, hein. En tout cas, partout les études, c'est difficile. Tout demande juste ton implication. Aussi longtemps que tu t'impliques à fond, tu vas arriver à transformer, tu vas passer de la difficulté à la facilité. Ça dépend juste de ton implication. Parce que ce sont les mêmes cours. Il y a juste le problème de langue et aussi le problème de communication. Parce que quand on arrive, comme je l'ai dit, quand tu fais des cours en anglais, par exemple, il y a des trucs que le prof n'arrive pas à donner en anglais. Et du coup, le prof donne ça en chinois. Donc ça peut quand même causer des incompréhensions par-ci, par-là, et ça ne sera pas à ton avantage. Mais après, quand tu vas t'habituer, tu vas apprendre des chinois, ça sera plus un problème. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais quand même, il y a, hein, oui, il y a cette difficulté à la base, mais tu t'habitues après ça devient facile. Mais le moment le plus dur en Chine aussi pour les études, c'est pendant les examens. Il y a une grosse pression sur les gens pendant les examens. Et c'est le moment le plus dur en tout cas que je trouve. Pendant les cours normaux, c'est un peu relax. On ne fait pas des interrogations. On ne fait pas des... Voilà. Donc on est un peu relax. Lance du poids, voilà. Le lance du poids. Ils font tout. Ils font tout en tout cas. Voilà, si tu ne parles pas anglais, tu peux étudier en Chine, mais ça sera compliqué pour toi. Ça sera compliqué parce que même pour apprendre le chinois, le professeur va utiliser l'anglais. Donc, toi, ça sera un travail double. Tu vas d'abord apprendre l'anglais et puis tu vas apprendre le chinois. Mais ce n'est pas impossible parce que j'ai fait cours avec des Espagnols. Ils ne parlaient pas anglais, ils ne parlent pas français. Ils font des cours avec des gens qui parlent français seulement, qui ne parlent pas espagnol. Mais ils l'ont fait. Donc, ils ont fait le livre qu'on nous donne. Il y a les mots chinois, il y a les mots en anglais. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à chaque cours, ils mettaient maintenant des translates, de la traduction de ces mots en espagnol. Tu mets ça dans les livres, tu mets ça de côté, tu mets ça. Voilà, et puis après, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à partir de ça. Mais c'est pas. Ça sera pas facile, ça va te demander beaucoup plus de travail. Mais c'est pas pour dire que toi tu peux pas étudier en Chine. Tu peux étudier, mais ça va juste te demander beaucoup, beaucoup de travail, une grosse implication dans les études. Mais tu peux le faire. Voilà. Donc voilà, là on commence à liker. C'est ça, faut liker 11 personnes en tout cas. Merci à tous qui sont là sur Expériences et Broad. Ça fait plaisir de voir au moins deux chiffres, 11 personnes dans le live. La fois passée, on était à 20. Voilà, donc ça fait plaisir, ça encourage d'être là, ça encourage de faire, de continuer à refaire le live. Everywhere we have difficulty, my dear, especially when you are getting adapted to a new way of life. Yes, true. That's true. Yeah, I think if you want a live video with Abby Boy, we can invite him, but the problem will be like he will not speak in French. He will just speak in English. If you want, just say in the comment section, he will read. If he's ready, he can come, and next time we will arrange a live video with him and we will share. So if you want him but in English, just tell him to come to accept the invitation. So voilà, as he said, pour la question de est-ce que le cours c'est difficile en Chine, c'est difficile. Everywhere we have difficulty, partout, partout. Il n'y a pas un seul endroit où on te dira que les études c'est facile. Il n'y en a pas. Partout c'est difficile. Voilà. On s'habitue, hein? On s'habitue. On s'habitue aux études en Chine. On s'habitue aux études en Chine.
Voilà, donc là, on est en train de finir notre semaine, tu as l'expérience des bro. Je suis en train d'essayer de voir comment on peut arranger la semaine afin que on soit sûr de comment les vidéos seront postées. Soit le mardi, le jeudi, on pose des vidéos dans les vidéos normales. Et puis après, le vendredi, le samedi, on fait des lives, ou les samedis ou les dimanches, on fait des directs. Donc, je suis en train de voir comment on peut organiser ça avec vous. Je suis en train de mettre aussi dans la barre communauté pour qu'on puisse décider ensemble. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps dans la zone communauté. Je pose des choses là-bas où je demande des choses qu'on peut faire sur la chaîne, voilà, pour qu'on puisse être à l'aise ensemble. Que je ne sois pas là juste à poster ce que je veux, à mettre ce que je veux, à faire ce que je veux. Là, ça peut pas marcher. Donc, on doit faire des choses ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu ça sur Experiences et Broad, voilà. Ah, pourtant, je rencontre des difficultés étant étudiant en ligne, la langue chinoise, car j'ai pas pu contacter les gens. Voilà, c'est ça l'autre difficulté. La langue chinoise, la langue, ça s'apprend en parlant. C'est que on fait là en ligne, c'est juste nous donner des vocabulaires, mais il n'y a pas d'endroit où on doit cracher tout ce qu'on a appris. Donc, c'est ça. La langue, je trouve que c'est important de cracher. Tout ce qu'on apprend en classe, c'est on avale, on avale, on avale, on se nourrit. Mais maintenant, pour grandir, il faudra maintenant cracher tout ce qu'on a appris. Mais le problème, on fait les cours en ligne, il n'y a pas d'endroit où cracher. C'est ça le plus gros souci. Bon, voilà. Donc, dans 5 minutes, on va couper les lives. Essayer de mettre des questions plus rapidement dans la section commentaires, comme ça on va répondre. Parce que dans 5 minutes, on pourra couper le live. Donc, déjà dans la semaine, n'oubliez pas, le mardi, peut-être on fera une vidéo, mais surtout le jeudi, il y a une vidéo qui est programmée. Il y a le samedi, on fera peut-être l'autre live. Où vous pouvez participer si vous voulez. Vous n'avez qu'à rejoindre notre groupe WhatsApp. Et puis, je vais mettre le lien dans le groupe et puis vous allez intégrer le live. Donc, le samedi, on a les lives de partage. Et puis, le dimanche, le live questions-réponses. Donc, chaque dimanche, on va répéter le live questions-réponses. Voilà. Laurent Beckham. Oui, nous pouvons t'aider. Tu peux juste m'écrire sur mon compte Instagram et puis tu m'écris tout ce que tu as comme problème et puis on verra comment on va t'aider. Mon compte Instagram, c'est dany.matendo22, Dany.matendo. Matendo22. Dany.matendo22. Donc, c'est aussi c'est mon compte Instagram. Si tu as des questions, si tu as un problème, n'hésite pas à m'écrire. Et puis, je vais te répondre. Je vais te donner des indications sur des choses. Donc, c'est un peu ça. Déjà, je continue de remercier à tous qui ont participé dans les lives. Ça fait plaisir. Je pense que prochainement aussi vous allez être là, mais surtout si le plus important aussi c'est être dans les lives, commenter, liker, c'est très important, ça nous aide à ce que YouTube puisse partager la vidéo avec d'autres personnes, à d'autres personnes, proposer des vidéos, notre vidéo à des gens. Comme ça, on aura beaucoup de gens qui seront dans les lives et puis les interactions seront là. Il y aura même des gens qui sont en Chine qui pourront même répondre aux questions. Auxquels moi-même je ne saurais peut-être pas répondre, il y aura des gens qui peuvent aussi répondre. Donc c'est important de partager pour amener beaucoup de gens. Ça nous aide à partager ensemble. L'étudiant a le droit de voyager n'importe quel pays, que ce soit leur pays d'origine. Comment? Oui, on ne va pas t'interdire de voyager en Chine. Donc il faudra juste que tu sois là pendant les cours et pendant les vacances et les vacances. Tu vas où tu veux. Surtout que ils vont pas eux-mêmes ne vont pas t'aider à trouver des visas. Tu fais toi-même tes démarches de visa. Il y a des ambassades de presque tous les pays ici à Beijing. Donc tu as juste à aller à l'ambassade du pays dans lequel tu veux aller, tu veux partir visiter. Tu te renseignes comment faire et tu vas voyager sans problème en tout cas.
Et puis, est-ce possible d'aller faire directement le master en Chine, même si on n'a pas réellement la maîtrise de la licence? De toute façon, pas de stage fait. Mais si seulement tu as déjà ton diplôme de licence, tu peux faire ton master. On va pas te demander de présenter la preuve de stage que tu as déjà effectué dans ton pays. Si tu as déjà le diplôme de licence, tu peux faire le master en Chine. Yeah, it's possible. Voilà. Donc, il reste que 2 minutes. 2 minutes dans les lives. Merci à vous. Merci à tous qui ont participé. Merci à toi, Abby Boy. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Thank you very much, my bro. It's very, hein? Encouraging to see you in this live. Thank you, thank you, thank you, thank you. And I hope maybe next time you will be there talking with all the people sharing your experiences in China. So thank you, Rugia. You're welcome, you're welcome. Peut-être ça c'est la dernière question. Les universités ont commencé à ramener les affaires. Bon, ça, je ne comprends pas trop. Pendant les vacances, est-il possible de faire un business, d'envoyer les choses à nos pays d'origine? Oui, c'est possible. Pas seulement pendant les vacances. Pas seulement pendant les vacances, mais même pendant les cours. Il y a les maisons d'express sont là. On fait des transactions là tout le temps. Tout le temps. Pas seulement pendant les vacances. D'ailleurs, pendant les vacances, c'est un peu compliqué aussi parce que les express pour faire les transferts là, dans les écoles, dans les universités, ils ferment. Donc, c'est mieux quand même de le faire pendant les cours. Yeah, we hope to see you soon. Donc, merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie encore une fois. On était sur Experiences Abroad. La prochaine fois, on va encore une fois faire des lives. On fait que commencer. Vous l'avez permis parce que vous connaissez sur YouTube. Sans plus de 1000 abonnés, on ne peut pas faire un direct comme ça. Mais maintenant, si je peux le faire, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est parce que toi, tu as cliqué sur le bouton abonné, pardon. Tu as partagé tout ça. Et tout ça, c'est ça, je ne peux que vous remercier. Et c'est pour ça que je dois tout faire pour faire des lives parce que vous avez autorisé de faire les lives. C'est vous qui l'avez autorisé. Donc, merci à vous d'être là. Merci à vous de répondre toujours présent quand il est faux, quand on fait des lives, quand on pose des vidéos. Ça soutient, ça encourage. Donc, je vous dis déjà à bientôt dans les next vidéos. Et puis, je crois qu'on va couper les lives. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, j'ai déjà mis le lien dans la zone communauté. Vous pouvez toujours en même temps poser des questions là-bas. Il y a beaucoup des étudiants qui font des cours en ligne. On partage sur beaucoup de questions. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre. Et là, je pourrais partager le lien pour intégrer les lives. Donc, merci à tous. Merci à tous. Je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le lien est dans la barre communauté. Donc, je vais reposter ça dans la barre communauté. Tu pourras intégrer le groupe. Donc, je vais reposter ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir encore de vous parler. Et je pense vous reparler encore très bientôt. Ciao!